Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver à suivre les émissions de Télé-Air TV. Aujourd'hui, nous sommes à Perspective, Prospective, le Congo, la Renaissance. Nous allons réfléchir autour d'un thème qui tient certainement beaucoup de Congolais à cœur. C'est la critique de l'ordre et de la pratique institutionnelle au Congo-Brazzaville. Et pour en parler, nous avons M. Félix Bankunda Pelé, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. M. Bankunda Pelé est enseignant-chercheur, il est politologue, et il est constitutionnaliste. Avant de nous engager dans la thématique de l'ordre institutionnel, on va commencer d'emblée par lui poser une question sur la Constitution. Bonjour, Monsieur Félix Bankunda Pelé. Bonjour, Georges. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ben, je vais bien, merci. Merci. Alors, d'emblée, la Constitution me semble, M. Félix Bankunda Pelé, un élément important dans la vie d'une nation. On a vu la Constitution de la France, on l'a souvent vue, hein, instable. La Constitution américaine, beaucoup plus stable. Les deux constitutions sur lesquelles on prend modèle, au Congo et partout ailleurs. Mais quand on regarde la situation du Congo-Brazzaville, on est frappé par l'instabilité de cette constitution. On observe un florilège de constitutions au Congo-Brazzaville et d'actes fondamentaux également. Vous êtes un constitutionnaliste. Comment pouvons-nous expliquer cette instabilité constitutionnelle, M. Félix Bankunda Pelé? Merci, Georges. Vous ne croyez pas si bien dire quand vous parlez d'un florilège donc, de constitution, parce que si je dois donner dans l'immédiat déjà un chiffre, je dois vous signaler qu'on est à 14 textes constitutionnels. 14. 14. C'est énorme quand on sait que, vous venez de signaler, que le plus souvent, on essaie donc de voir ce qui se passe en France et que, justement, pratiquement toutes les constitutions d'Afrique francophone et même au-delà sont inspirées du modèle français de 58 et que la France, elle, est restée jusque-là sur le même texte. Donc, le fait qu'aujourd'hui, le Congo, puisque c'est lui que nous parlons, c'est-à-dire de notre pays, on est à 14 textes constitutionnels, ça pose un problème, ça interpelle. Et alors, on peut se poser la question de savoir exactement quelle est la place de la Constitution dans notre pays. Autant on se dit que du point de vue de la société, je le signale tout de suite, la Constitution est pour la société politique ce que le code de la route est pour les usagers de la route, pour montrer l'importance du texte constitutionnel. Bon, ça veut dire que s'il n'y a pas de Constitution, c'est un peu l'anarchie parce que finalement, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Cela montre l'importance d'un texte constitutionnel. Mais en même temps, pour que ce texte ait de la valeur, il faut qu'il ait une certaine stabilité. Absolument. Il faut que, ben, effectivement, les gens se retrouvent. Imaginons, puisque je venais de prendre la métaphore, disons, du code de la route, que le code de la route change régulièrement. Vous imaginez ce que peut devenir la route. La route, ce serait une véritable jungle. Donc, à peu près, ce que l'on peut vérifier sur le code de la route, sur la portée du code de la route pour les usages de la route, c'est à peu près ce que l'on peut également vérifier en ce qui concerne la Constitution pour l'ensemble de la société politique. Et quand je dis société politique, c'est tous les citoyens, puisque, a priori, tous les citoyens sont donc des sujets, sont donc effectivement des sujets de la société politique. Bon, donc, ce que l'on a remarqué très rapidement, c'est que dès les premières années donc, post-indépendance, pratiquement tous les pays d'Afrique francophone se sont caractérisés, se sont illustrés par une instabilité constitutionnelle, de telle sorte que, du point de vue de la doctrine constitutionnelle, du point de vue de la doctrine juridique tout simplement,
on a parlé de la crise du constitutionnalisme. Et c'est ce que l'on a vécu pendant les trois premières décennies, disons, de l'Afrique francophone, juste entre les trois premières décennies, vous voyez à quoi je vais parler, c'est-à-dire à 90, dont on pensait qu'effectivement ça stabiliserait la situation. Ça n'a pas été le cas. Mais monsieur Félix Bakoudampélé, mais là vous avez parlé, d'accord, de l'Afrique d'une manière générale. Est-ce que tous les pays d'Afrique francophone, disons-le, puisque nous avons pris la référence de la Constitution française, due à la colonisation française également, ont subi cette même instabilité? Disons-le tout de suite, puisqu'il y a... C'était en 2001, j'avais donc fait déjà, disons, l'analyse du projet du texte, la Constitution, enfin, disons, de l'acte fondamental de Sassou Nguesso, qui devait donc vous amener, non, du projet du texte, disons, qui elle a été, bon, on a même du mal à se retrouver, c'est-à-dire du projet du texte, la Constitution du 20 janvier 2002. Et à ce moment, c'était donc à la demande, justement, d'un centre de recherche français, d'un centre de recherche de droit français. Donc, j'avais dit que le Congo était le plus vaste cimetière institutionnel d'Afrique noire francophone. Parce que là, déjà, on était à 13 textes. Et on pensait d'ailleurs que, ben oui, Sassou Nguesso, qui, pour des raisons qui lui sont propres, avait effectivement, disons, abrogé la première constitution de l'histoire de notre pays, je rappelle toujours, c'est-à-dire celle du 15 mars 1992, qui était la seule, effectivement, adoptée par le peuple congolais, je dis bien adoptée par le peuple congolais, pour montrer la différence entre ce texte et les autres, que ce serait la fin, puisque il a adopté un texte qui dépendait de lui seul. Eh bien, nous savons tous, nous rappelons effectivement 2015 ce qu'il a eu à faire, bon, pour constater que, en fait, chez lui, la Constitution ne veut rien dire. Bon, donc, j'ai déjà utilisé l'expression que tout le monde connaît, que, ben, effectivement, M. Sassou Nguesso, c'est l'inventeur des Constitutions Kleenex. Mais, disons, pour revenir à l'essentiel de la question, bon, nous n'avons pas le monopole, même si, disons, en 2001, nous étions effectivement le champion, disons, effectivement, de cela, puisque depuis, la situation s'est aggravée également au Niger. Vous l'avez remarqué comme moi, que quand le Niger entre, effectivement, disons, comme tous les pays francophones, disons, dans, je veux dire, disons, le système démocratique initié par la Bole, eh bien, le 27 janvier, donc, 1996, il y a eu un coup d'État donc, du général Maïna Sara. Bon, donc, et puis ben, lui-même, à la fin, ben, il est également tué, c'est-à-dire il y a eu un autre coup d'État le 9 avril, disons, 1999. Et puis il y a eu, disons, comment on l'a appelé déjà, le général Tandja qui le remplace, en fait, disons, qui est élu. Et puis, ben, qui lui-même ne voudra pas respecter, donc, disons, la limitation des mandats. Et puis, ben, il va encore être renversé. Bon. Donc, depuis lors, bon, en fait, le Niger nous fait concurrence. Mais disons que le Congo est dans le top 3 des pays à forte instabilité institutionnelle. Ça, je peux l'assurer. Et puis, on peut dire, d'ailleurs, puisqu'en fait, pendant longtemps, sous Séni Kouindji, le Niger, bon, ne s'était pas embarrassé d'une constitution. Donc, par rapport, disons, à la situation post-90, bon, le Niger nous concurrence. Mais si on prend l'histoire post-disons coloniale, ah ben nous restons les champions. Ça, c'est tout. Le Congo reste le champion de l'instabilité constitutionnelle. Alors, la constitution, vous avez une belle image, hein, dans la circulation, la régulation de la circulation. Une très, très belle image. Mais il faut dire aussi ceci, que la constitution, il y a quand même des gouvernants et des gouvernés. C'est-à-dire, non seulement ça frappe, n'est-ce pas, les valeurs d'un pays qu'il faut nécessairement respecter, mais ça met aussi en exergue le statut de deux grandes entités, les gouvernants et les gouvernés. Alors, on a évoqué aussi la Constitution des États-Unis, je la connais bien, cette Constitution. Elle a évolué en donnant beaucoup plus de bénéfices à la population en ce qui concerne le 13e amendement, le 14e amendement, ainsi de suite. Ce sont des droits qu'on a accordés aux populations. Est-ce qu'on peut dire la même chose au Congo-Brazzaville? Est-ce que la constitution du Congo-Brazzaville n'a pas évolué en faisant la part belle aux gouvernants plutôt qu'aux populations? Résumons, quand on veut parler de la Constitution, bon, là, je prenais la métaphore, effectivement, disons,
de la route pour montrer à peu près la portée de ce que c'est que, disons, la constitution au sein de la société politique. Mais disons, quand on veut résumer, disons, la constitution, disons, de la manière la plus politique, sans métaphore, on dit tout simplement que c'est le statut du pouvoir. Et quand on dit pouvoir, statut du pouvoir, on voit donc, d'une part, les gouvernants et les gouvernés. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir, parce qu'il faut le signaler, historiquement, la Constitution naît dans l'objectif de vouloir effectivement sauvegarder les droits des citoyens et limiter le pouvoir des gouvernants. Voilà la philosophie essentielle et originelle de la Constitution. Elle naît dans l'objectif de limiter l'omnipotence du pouvoir, de limiter effectivement le pouvoir et en même temps d'assurer des garanties des droits et libertés de telle sorte qu'effectivement, le pouvoir ne puisse pas en abuser. Bon, je ne reviens pas sur les théories classiques que tout le monde connaît, Montesquieu, ben, qui dit effectivement qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir et que, ben voilà, nous avons un peu pour illustrer, je ne veux pas compliquer la situation, disons, pour ceux qui peuvent nous écouter, mais en fait, je veux dire, l'objet de la Constitution est principalement résumé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit exactement ceci, je cite, « Toute société dans laquelle la garantie des droits est assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de conscience. » Voilà. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de conscience. » Donc, cet article 16 résume exactement l'objet, la philosophie de la Constitution. Alors, donc, pour revenir à la question, disons, que vous posez, est-ce que la Constitution répond à ce double objectif dans le cas de notre pays? Je serais tenté de parler d'un malentendu, mon cher, disons, Georges, d'un malentendu pourquoi? Si formellement, si en théorie, c'est cela, et que c'est affirmé, effectivement, disons, par tous les dirigeants, par, je veux dire, disons, tout simplement, esprit politicien, la réalité est bel et bien toute autre chose. Je ne peux pas, disons, recourir à notre histoire constitutionnelle, mais je vais quand même résumer ceci avant d'arriver sur la particularité du régime ici de 97. Bon, j'ai souvent signalé que ce qui caractérise l'incertitude constitutionnelle chez nous, c'est le fait que tous les gouvernants, tous les dirigeants, tous les pouvoirs que nous avons eus sont arrivés avec leur texte constitutionnel. Je rappelle quand même que le premier président, le président Yulu, arrive, il s'installe comme président et ensuite il adopte la constitution du 2 mars 1961. C'est la toute première constitution de notre pays post-indépendant. Quand, disons, le président Massamba Déba arrive, ben, il s'installe également et après, ben, il adopte la constitution du 8 décembre 1963 pour dire que nous avons là des textes personnalisés, c'est-à-dire qui répondent d'abord et avant tout, je veux dire, disons, à l'objectif, disons, de celui qui est là, c'est-à-dire celui qui se taille une constitution. Quand également, disons, Marien Ngouabi arrive, ben Marien Ngouabi, effectivement, arrive avec d'abord l'acte fondamental du 14 août 1968, c'est lui qui commence les actes fondamentaux, donc c'est lui qui inaugure. Bon, c'est vrai que du temps de Massamba Déba, également, il y a eu l'inauguration par ce qu'on a appelé le régime provisoire du 11 septembre 1963, avant la constitution du 8 décembre 1963. Donc, celui qui inaugure les actes fondamentaux, c'est-à-dire les régimes transitoires avec des actes fondamentaux, c'est Marien Ngouabi. Donc, l'acte fondamental du 14 août 1968 et puis la constitution du 30 décembre 1969. Vous voyez que là, trois présidents, trois constitutions. Mm-hmm. Et après, ben, arrive, disons, Sassou Nguesso, qui dit clairement que Sassou Nguesso, bon, on dit souvent Yombi, mais en réalité, nous savons tous les Congolais, nous savons que le véritable homme fort, c'était Sassou Nguesso. Donc, sans vous couper, monsieur, pour nos internautes, comme l'a dit d'ailleurs Yombi Opango lui-même, il oui. avait bien expliqué au cours d'une tribune qu'il était président, mais en réalité, c'était monsieur Denis Sassou Nguesso qui était président. Bien entendu. Bien entendu. C'est pas compliqué à savoir, puisque en réalité, si le régime, je vais dire, disons, post-Marien Ngouabi, se plaçait dans la continuité de Marien Ngouabi, il n'y avait pas de raison d'abroger la Constitution. C'est en logique. Donc là, c'est une contradiction qui démontre qu'en réalité, c'était bel et bien un coup d'État donc qui visait à remettre en cause, disons, le régime qui est... Si on est dans la continuité,
Mais il n'y a pas de raison, disons, effectivement, d'interrompre, disons, d'abroger la Constitution qui est là. Mais donc, on adopte quand même, disons, un acte fondamental du 5 avril 1979. Mais soyons clairs, avant l'adoption formelle, disons, de l'acte fondamental, le CMP est déjà là. Donc, okay. Ce qui caractérise la dictature, c'est ça. En démocratie, c'est le texte qui précède effectivement l'acte. En dictature, eh bien, on l'acte précède toujours. Le droit est toujours derrière la volonté des gouvernants. Voilà, donc, c'est effectivement le régime, disons, ici de 79, le montre exactement, de 77, c'est plus précis, 77 le démontre. Bon, donc, ce que je veux dire par là, et on peut remonter, hein, bon, effectivement, oui. 79, etc., bon, on arrive donc effectivement à la démocratie, entre guillemets. Nous nous comprenons, donc je vais parler donc du sommet d'abord. Et pour la première fois dans notre histoire politique, ben, on adopte une constitution qui n'a rien à voir avec le gouvernement, c'est-à-dire que pour une fois, le président doit se conformer à un texte qui est déjà là, au contraire des situations antérieures. Et ensuite, il adopte la constitution qui lui plaît. La première fois dans notre histoire politique, c'est qu'on adopte d'abord le texte et ensuite on élit le président. Voyez, donc, c'est très important ce que je dis là, du point de vue, effectivement, je veux dire, disons, de la légalité, la démocratie, pour démontrer que, pour la première fois dans notre histoire politique, le droit a précédé le président à élire. Et donc, de ce point de vue, on pouvait espérer qu'on est sorti de la personnalisation. Parce que la personnalisation conscient, ça signifie quoi? Mais ça veut dire tout simplement que, en fait, la conscience, ben, n'est liée qu'à l'individu, n'est liée qu'au dirigeant qui est là. Maintenant, quand on dépersonnalise, c'est-à-dire qu'on adopte d'abord le texte, ça veut dire que le texte est indépendant du président qui est là. Et donc, on pouvait espérer, si tout le monde était effectivement authentique, si tout le monde faisait le jeu politique, on pouvait espérer à part là qu'on est entré dans la stabilité. Nous savons tout ce qui est arrivé. Monsieur Sassou Nguesso arrive et puis, ben voilà, il dit quand même, voilà, on ne revient pas à ce que tous les Congolais connaissent, il dit qu'on l'a provoqué, mais curieusement, eh ben, c'est... justement, disons, la constitution qui n'a rien à voir avec celui dont il prétend qu'il avait provoqué, qui va effectivement trinquer. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il a dissous la constitution du 15 mars 1992, puisque ça n'a rien à voir, elle n'avait rien à voir avec le Soudan. Donc, Monsieur Bakoutapele, je vais rebondir. Ce que vous dites est très, très important. On n'oublie pas aussi que Monsieur Denis Sassou Nguesso, au lendemain de 92, s'est targué de dire qu'il était le père de la démocratie au Congo. Il portait ces galons-là sur ses épaules, qu'il était le père de la démocratie au Congo. Il a dit à tout le monde, à qui voulait l'entendre. Et on est surpris de voir ce que vous venez de dire, que finalement, 5 ans seulement après, il vient l'abroger, alors qu'il venait de dire que, je pense, hein, je voulais soulever cela pour corroborer un peu ce que vous voulez dire. C'est d'autant plus vrai que dans son fameux ouvrage, Le Mandier, le Fleuve et la Souris, à l'article, pardon, à la page 115, 116, il confirme effectivement, bon, d'abord, il a demandé à voter pour cette constitution, répétons-le, en 92, il a demandé, disons, à ses militants de voter pour cette constitution. En 97, il sort, disons, l'ouvrage Le Mandier, le Fleuve et la Souris, et il confirme qu'effectivement, cette constitution, ben, oui, disons, est bonne. Voilà. Et 97, nous disons bien, au printemps 97. Et en octobre 97, le 24 octobre 1997, il l'abroge. En 97, M. Sassou Nguesso se réinstalle, certainement un acte fondamental, jusqu'en 2002. Et puis se donne quand même 7 ans renouvelables une fois. Donc 14 ans supplémentaires plus les 5 premières années. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer en 2015? Alors, quelle mouche l'a piqué pour faire, n'est-ce pas, ce qu'il a fait en 2015? Ce que ça révèle, c'est quoi? C'est que pour M. Sassou Nguesso, la Constitution, c'est tout simplement un instrument de propagande, un instrument de marketing. C'est ce que ça révèle. Qu'en réalité, il n'en a pas besoin, mais qu'il avait... se rendant compte du contexte nouveau issu de la boule qui était effectivement celui de la démocratie, qui ne pouvait pas ouvertement s'exprimer contre, et il fallait que lui également démontre qu'il est démocrate alors qu'il ne l'est pas. Et donc, la constitution de 2002, c'est-à-dire la constitution du 20 janvier 2002, ce n'est que de l'affichage. Ce n'est que l'affichage. Et il a démontré lui-même, puisque, ben, écoutez, alors qu'il disait que, voilà, rappelons, puisque là, on est sur le fameux débat, effectivement, c'est la limitation des mandats.
Et on disait également que c'est des constitutions personnalisées. Vous remarquerez que n'ayons pas effectivement, disons, un visage sérieux, ben, n'étant pas effectivement, disons, un véritable homme politique digne de ce nom, ben, il a préféré écarter ceux qu'il avait battus en 92 par un texte, par une disposition constitutionnelle, en disant que ben, celui qui a atteint ou dépassé, disons, les 70 ans, ne peut plus être candidat. Remarquez donc que rien que cette disposition illustre que chez lui, la Constitution, c'est uniquement un instrument de manipulation, puisque clairement, il prenait cette disposition pour écarter M. Kolela et M. Lissouba qu'il avait battu. Et une fois qu'effectivement, il les a disqualifiés par le texte, eh bien, ça s'applique à lui-même. Il dit ce n'est plus applicable, il modifie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation d'âge, il n'y a plus non plus de limitation des mandats. Donc, rien que ça. Mais on peut l'illustrer à plusieurs égards. Ça démontre que chez lui, la Constitution n'a pas la portée que nous venons de citer là, que nous venons d'expliquer là. Pour lui, la Constitution, c'est uniquement de l'affichage. Et le démontre suffisamment, mon cher Georges, le fait qu'aujourd'hui, il est à son 8e texte constitutionnel. 8 textes constitutionnels sous la houlette d'un seul individu. Parfois, les gens me posent la question de savoir, oui, mais la Constitution de, disons, du 15 mars 1992, c'était pas... Je dis, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Regardez bien, il est clair que la Constitution du 15 mars 1992 n'est pas faite à son initiative, mais il est président de la République. Et quand vous regardez, ben, celui qui signe, c'est le président de la République, c'est lui. Mais c'est surtout lui qui l'abroge. C'est surtout lui qui l'abroge. Donc, nous avons là 8 textes constitutionnels sous la houlette d'un seul individu. C'est suffisant pour démontrer que chez lui, la Constitution, c'est honnêtement un chiffon. Oui, professeur Bakounda Pelé, un chiffon pour lui, un instrument de propagande. Est-ce que c'est exagéré de dire qu'il s'est toujours protégé aussi lui-même en tant qu'individu de cette constitution? Je pense que sa dernière constitution de 2015, dont vous faites allusion, il y a un article, certainement 96, où il se protège, non? Par rapport aux actes qu'il a posés lui-même dans la République, où il se protège qu'un président en exercice, après son exercice de pouvoir, ne peut pas être traduit en justice au pays ou à l'étranger. Est-ce qu'il a toujours utilisé la Constitution pour se protéger? Oui, je veux dire ceci, je le répète et je le rappelle, l'objectif, la philosophie originelle et essentielle d'une constitution, c'est de protéger les citoyens. La constitution, c'est d'abord et avant tout au service des citoyens, puisque, au fond, la société politique a toujours existé et avec des gouvernants. Donc, au XVIIIe siècle, du moins dans les sociétés occidentales, au XVIIIe siècle, la constitution écrite avec cet objectif-là, c'est de protéger les citoyens. Autrement dit, c'est d'abord et avant tout un instrument au service du peuple. Et vous l'avez signalé, l'un des points sur lesquels, effectivement, moi, je me suis permis, par exemple, de critiquer mes collègues de Brazzaville, c'est d'inverser la situation. C'est de faire de telle sorte que la Constitution devient, au contraire, un texte, un instrument au service du président de la République. Vous voyez, parce que le texte, disons, du 25 octobre 2015 n'a été adopté, et ça, tous les Congolais le savent, ceux qui sont de bonne foi, l'objectif de ce nouveau texte ne visait que la protection de M. Sassou Nguesso. Et ça, c'est tout à fait aux antipodes d'un texte constitutionnel. C'est aux antipodes d'un texte constitutionnel. On le savait déjà que chez lui, c'est comme ça, mais là, c'était quand même flagrant. Et rien que ce geste-là, bien plus important, ben, j'ai l'habitude de signaler pour effectivement que nos compatriotes comprennent, il y a à côté ce qu'on appelle la juridiction constitutionnelle, donc la mission. Je rappelle bien la mission, l'objectif est de protéger la Constitution, c'est-à-dire de faire de telle sorte que le dispositif constitutionnel ne puisse pas être violé. Et curieusement, le 17 septembre 2015, la juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle congolaise, donc, s'est fait euthanasier. Elle est née, c'est le fruit de la Constitution, disons, du 20 janvier 2002. L'acte de naissance de la Cour constitutionnelle, c'est la Constitution du 20 janvier 2002. Eh bien, cette juridiction constitutionnelle, dont la mission essentielle, universelle, c'est de protéger le texte constitutionnel,
va effectivement se faire euthanasier, c'est-à-dire donc effectivement protéger plutôt M. Sassou Nguesso au détriment de sa mission essentielle universelle et abroger la Constitution. Vous voyez quand même que là, franchement, je pense qu'on a atteint les sommets du point de vue, effectivement, disons, de, je vais dire, disons, de la crédibilité, disons, de l'élite. Ça, c'est incroyable. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est pour signifier qu'en réalité, par ce geste, il a été démontré de manière solennelle, de manière magistrale, qu'une constitution ne veut rien dire dans l'esprit de M. Sassou Nguesso. Et ce qui est regrettable, c'est que l'élite et principalement les juristes congolais l'ont suivi, enfin, pas les juristes congolais, certains juristes congolais l'ont suivi dans cette voie. Et je vous dis, je ne vous le cache pas, disons, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je ne vous le cache pas, moi qui suis dans les milieux, disons, constitutionnalistes français ailleurs, c'était, je vais dire, disons, un grand discrédit pour l'élite juridique congolaise. Un grand discrédit. Okay. Alors. Très bien. Alors, pour clôturer cet aspect de la chose, si je vous suis très, très bien, on comprendra qu'au Congo-Brazzaville, en fait, la Constitution est au service d'une seule personne, qui est M. Denis Sassou Nguesso. On va entamer la partie institutionnelle, mais je vais anticiper en disant, dans la suite de votre raisonnement, qu'il n'y a pas que la Constitution qui est au service de M. Denis Sassou Nguesso, il y a beaucoup d'autres institutions, comme les institutions dont l'État seul a le monopole, les institutions de répression d'État, la police, la gendarmerie, l'armée, et toutes ces institutions, là aussi, semblent au seul service de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que quand j'ai dit ça, M. Bakunda Pelé, est-ce que j'exagère? Et je vais terminer aussi, il n'y a pas que ça. On peut étendre aussi du côté de l'économie. Hein? On est producteur de pétrole, et les revenus de pétrole, nous avons reçu ici M. Mabussou Alphonse, qui nous a expliqué beaucoup de choses sur la science du pétrole. Est-ce que finalement, c'est exagéré de dire que finalement, toutes les institutions sont au service de M. Sassou Nguesso en tant que tel? Ceci explique cela. C'est-à-dire, ça, c'est, je vais dire, disons, c'est dans la logique des choses. Si effectivement il a personnalisé, disons, la Constitution, ce n'est pas par hasard. C'est effectivement, disons, pour s'en attribuer, effectivement, je vais dire, disons, s'attribuer à part là, effectivement, je vais dire, disons, tous les droits dans l'État, c'est-à-dire donc l'économie, le politique, etc. Bon, voilà, ça c'est clair et net. Bon, donc, ça ne s'ouvre pas d'équivoque et vous n'exagérez en rien. Bon, je ne sais pas si je vais l'aborder ici, puisque vous l'avez effectivement dans la question précédente énoncé cette question de l'article 96. Allez-y, monsieur Bakunda. Bon, je vais dire ceci. L'article 96 démontre exactement que la Constitution ne veut rien dire pour monsieur Sassou Nguesso, mais en même temps, ça renverse effectivement les valeurs sociales, traditionnelles, ancestrales de notre pays. Et je m'explique, cher Georges. Quand vous regardez notre société, je ne cesse de dire aux gens, vous me permettez de ne pas le prendre effectivement dans ces aspects, je vais dire un peu plus détaillés, mais je reste pour respecter les bonnes mœurs. Vous savez que dans toutes nos communautés, dans toutes nos cultures, il y a, disons, cette assertion, cette sagesse qui dit que dans la séquence obscénité, doit être accablé, non pas celui qui regarde, non pas celui qui en parle, non pas celui qui dénonce, mais celui qui exhibe son intimité. L'article 96 vient donner un coup de sabre sur cette vérité ancestrale. L'article 96 dit non, si quelqu'un effectivement fait ce que je venais de dire, c'est-à-dire exhibe effectivement son intimité, eh bien, doit être frappé, doit être accablé, celui qui regarde, celui qui en parle, celui qui dénonce. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, c'est absolument, c'est très fort. C'est contraire à l'éthique de toutes les sociétés du monde. Monsieur Sassou Nguesso l'a quand même osé, les juristes qui l'ont accompagné l'ont quand même osé, ils sont allés jusqu'à théoriser, je l'ai déjà dit, jusqu'à théoriser l'euthanasie de la Constitution, mais également l'euthanasie de la juridiction chargée de protéger la Constitution. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Bon, maintenant... Les gens se posent souvent la question de savoir, je pose la question de savoir si je peux y aller ou pas. Bon, les gens posent souvent la question de savoir,
Mais finalement, donc, il est inatteignable. Je dis, mais non. Ça démontre que notre élite, principalement l'élite juridique qui accompagne M. Sassou Nguesso, va très loin. Parce qu'ils sont bien placés pour savoir, mon cher Georges, et là je m'adresse, disons, à tous nos compatriotes et peut-être à plus affaires. Le Congo a signé le statut de Rome, celui qu'on appelle donc le statut de la CPI. Il l'a signé le 17 juillet 2001, il a déposé les instruments de ratification le 3 mai 2004, c'est-à-dire donc le Congo est lié justement au statut de Rome. Eh bien, que dit le statut de Rome? Article 27, que tous les pays signataires reconnaissent le fait qu'il ne peut y avoir, disons, un statut privilégié du point de vue juridictionnel entre les dirigeants et les citoyens. Autrement dit, citoyens et dirigeants sont liés par le même texte et il n'y a pas de privilège de juridiction. Il n'y a pas non plus, disons, d'inégalité, disons, de statut. Vous voyez donc, je suis sûr que mes collègues le savent. Ils savent que l'article 96 est en contradiction flagrante avec l'article 27 du statut de Rome, dit de la CPI. Oui. Donc, je vais signaler par là que, contrairement à ce que certains pensent, M. Sassou Nguesso peut bel et bien être traduit en justice dans l'hypothèse, bon, du moins, disons, sur les questions qui relèvent la compétence de la CPI, c'est-à-dire donc, de la CPI, c'est-à-dire donc, disons, les crimes, disons, de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et ensuite bon, les crimes d'agression. Mais ça c'est après l'exercice de ses mandats présidentiels. C'est bien tout cela. Tout à fait. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce que certains pensent, parce que dans l'article 96 veut dire au moment de l'exercice et même après, il faut le dire. Autrement dit, pour lui, pendant l'exercice de ses fonctions et même après, il ne peut pas être traduit en justice. Mais l'article 27, dont le Congo fait partie, l'article 27, disons, du statut de Rome, c'est-à-dire la CPI, dont le Congo fait partie, eh bien, dit le contraire. Or, nous savons que dans la hiérarchie des normes, la convention internationale est au-dessus de, disons, de la loi nationale, y compris la Constitution. La convention, c'est-à-dire donc le traité, s'impose au droit national. Oui. Mais monsieur Bankounda Pélé, vous avez dit que, en fait, tous les Congolais le voient très bien. Monsieur Sassou Nguesso est le briseur des constitutions. Hein? Il en refait chaque fois que ses intérêts sont menacés pour l'adapter, n'est-ce pas, à sa nouvelle situation. Et quand il impulse cet article 96, est-ce qu'il est bien sûr que vraiment, quand il sera plus là, les choses seront respectées comme il le veut? Est-ce qu'il ne pense pas un seul instant qu'une nouvelle situation politique au Congo peut arriver à briser, n'est-ce pas, cet article 96, comme lui-même il a brisé les articles sur l'âge et le nombre de mandats? Qu'est-ce qui lui donne la garantie de penser que, parce qu'il a impulsé cet article 93 et qu'après, et qu'il n'est plus président de la République, les choses vont être respectées comme il le veut? Première remarque, ben, je pense que nous savons tous ce que c'est que la psychologie des dictateurs. Les dictateurs vivent dans un monde qui n'est pas sur tout le monde. Je pense que pensons parfois manipuler, disons, leurs concitoyens ne se rendent pas compte qu'en réalité, je veux dire, ils se mentent à eux-mêmes. Bon, si M. Sassou Nguesso a démontré lui-même, donc, toute sa longue carrière politique, que le texte ne veut rien dire pour lui. Mais pourquoi nous, Congolais, nous devons nous faire lier par un texte qu'il a adopté? Nous ne pouvons pas. Donc, je vais dire par là qu'en réalité, nous sommes là dans la véritable paranoïa, dans le véritable égocentrique qui anime effectivement, disons, les dictateurs. Pourquoi les Congolais devaient se sentir liés par une conscience dont lui-même ne s'applique pas? Toutes les conditions que l'adoptine ne s'applique pas. Mais il y a autre chose, je veux dire, disons, chers autres. Si vous mariez avec votre épouse, disons, par contrainte, c'est-à-dire effectivement avec un pistolet sous le menton en disant, bah, écoute, si tu ne dis pas oui, moi, je te crible. Le mariage est vicié parce qu'il n'aura pas eu le libre consentement.
Mais nous savons tous, Georges, comment est-ce que la Constitution du 25 octobre a été adoptée. C'est avec des bétails, avec des armes lourdes partout. Donc, c'est adopté sous la contrainte. Donc, du point de vue des principes élémentaires du droit, eh bien, cette Constitution est nulle et de nul effet. Parce qu'une Constitution doit faire l'objet de la plus grande liberté dans le choix, dans l'adoption. Voilà, donc c'est ça. Donc, cette Constitution, nous savons tous qu'elle est imbibée, comme d'ailleurs celle, disons, de 2002. Elle est imbibée du sang des compatriotes. Les Congolais ont été contraints, disons, parce qu'il y avait effectivement des armes partout. Donc, le principe élémentaire en droit, c'est que la procédure d'adoption doit être une procédure libre, de libre consentement. Mais si c'est par la force et à n'importe quel moment, on peut retrouver les bétaires qui entouraient toutes les grandes villes de Brazzaville, parmi du Congo, pour dire que ben, c'était sous la contrainte que ce texte a été adopté. Donc, c'est un texte en réalité, le terme souvent utilisé en droit, c'est que c'est un texte né non viable. C'est-à-dire qu'il ne répondait pas aux conditions, aux procédures d'établissement d'un texte. Donc, au-delà même du fait que lui-même ne s'applique pas, il y a le fait que le contexte de naissance de cette Constitution eh ben, est effectivement vicieux et que, en réalité, c'est une Constitution nulle et de nul effet. Le fait que la Constitution ait été adoptée sous la contrainte des blindés ne souffre pas d'équivoque puisque tout le monde a des images. On peut rentrer, mais on peut prendre plusieurs éléments pour dire que cette Constitution n'existe pas, notamment la question des chiffres. Mais lui, il affiche d'autres chiffres pour dire que les Congolais sont mobilisés. C'est ce qu'il fait, disons, pour toutes les consultations au Congo. Mais la question des blindés, la question des armes lourdes, on n'adopte pas, disons, un texte avec, je viens de prendre la métaphore, effectivement, disons, du mariage. Si, effectivement, votre, disons, épouse dit oui au mariage devant l'officier d'état civil, avec, disons, un pistolet sur le manteau, le mariage est nul. Principe élémentaire de droit. La procédure est viciée. Donc, les chiffres, on peut en discuter. Il peut dire, ben, moi, j'ai les chiffres. Parce que c'est ça, effectivement, le système dictatorial. Il vous met sur le chemin où il vous dit, ben oui, il y a votre vérité à la mienne. Mais le fait que cette Constitution est adoptée sous l'angle de la force ne souffre pas d'équivoque. Nous avons tous des images. Le monde entier a vu les images. De la Constitution aux institutions, Monsieur Moungala Thierry, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, à l'époque de 2015, puisque c'est là où on va faire la transition, avait justifié également ce changement de la Constitution comme quoi on voulait faire, comment il a dit ça, faire avancer ou bien faire évoluer, voilà, c'était ça l'expression, faire évoluer les institutions. Alors, en sociologie, il y a des approches qu'on appelle des approches organicistes, c'est-à-dire que la société fonctionnerait à l'image d'un corps humain qui a des organes, il y a une physiologie, il y a une statique des organes, et qu'en société également, les institutions constituent ces organes-là. Il y a le fonctionnalisme aussi qui est une approche qui permet de mieux expliquer un peu ces fonctionnements. Alors, ma question à vous, professeur Bakunda Pélé, c'est de revenir encore sur cette instabilité des institutions également, pas seulement la Constitution, mais même les institutions qu'on met en place sont frappées de cette instabilité. Alors, je crois que vous avez déjà donné quelques éléments, mais de façon ramassée avant qu'on évolue, comment expliquer aussi cette instabilité au niveau institutionnel? Je peux vous le dire, c'est que, ben oui, cette théorie organiciste, du pouvoir n'est pas le monopole des sociologues. En sociologie, en droit public également, elle est traitée. Et donc, effectivement, on applique, disons, aux principaux instruments, aux principales institutions, aux organes, ben, ce qu'on appelle les organes d'État, exactement la même chose, un peu, disons, à peu près, disons, assimilée sur l'être humain. Et donc, qu'est-ce qu'il explique? Mais ce n'est pas compliqué. C'est pour la bonne et simple raison que, justement, eh bien, la Constitution est le cœur. C'est le cœur de la société politique. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, si le cœur, ben, il est instable ou, je veux dire, tourne mal, bon, automatiquement, ça se répercute effectivement sur les institutions. Moi, je vous ai parlé comme ça, puisque je ne l'ai pas expliqué, j'ai parlé de l'euthanasie, disons, de la Cour constitutionnelle congolaise. Les gens avaient ri en disant, mais écoutez, Félix, vous exagérez. J'ai dit, ben stop, je vous dis la vérité, la Cour constitutionnelle congolaise s'est euthanasiée, s'est fait euthanasier. Pourquoi? Parce que il y a cette expression très courante chez nous, on dit, ben oui,
il a scié la branche sur laquelle il était assis. L'acte de naissance de la Cour constitutionnelle, c'était la Constitution du 20 janvier 2002, puisque sous le régime qui avait précédé, c'était le Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc, dès le moment où, oui, quand même, jusqu'où les juristes, certains juristes arrivent, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, dès que cette Constitution disparaît, automatiquement, la Cour constitutionnelle disparaît. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 7 août 2018, ils ont été obligés de prendre un nouveau texte, alors que l'institution existait déjà. Hein, l'institution existait déjà depuis 2002, c'est-à-dire dans la foulée de l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002, M. Sassou Nguesso avait effectivement, par le biais de cette Constitution de 2002, fait adopter par ses députés une loi organique portant création de la Cour constitutionnelle. Et donc, quand on tue, on étrangle la Constitution de 2002, automatiquement, on étrangle également la Cour constitutionnelle, puisque c'était un organe de ce texte-là, de la Constitution de 2002. Donc, la Cour constitutionnelle s'était bien fait euthanasier. Donc, ils ont été obligés d'adopter une autre Cour constitutionnelle, alors qu'en fait, elle existe, ils ont été obligés d'adopter une autre loi le 7 août 2018. Donc, pour répondre de façon résumée, je dis que cette instabilité des institutions est également liée à l'instabilité constitutionnelle. C'est le corollaire, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose que vous avez dit en parlant de M. Mungala, en disant que c'était pour faire évoluer les institutions. J'ai traité, cette question, il y a 5 ans, mais un instant, mais toutes les institutions évoluent dans tous les pays du monde. Sauf que pour faire évoluer, on n'a pas besoin de tuer, les textes précédents. Nous savons, par exemple, nous parlons de la Constitution américaine qui date de 1787, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui enrichit ce texte qui, au départ, est très court? Mais c'est les amendements. L'amendement, voilà. Donc, les amendements. Et toutes les constitutions françaises, la France. Mais la France, il y a eu énormément, il y a eu beaucoup, je pense qu'on est à la 24, réforme, à la 24e, révision constitutionnelle. 24 révisions constitutionnelles. Voyez. Donc, on fait évoluer la Constitution, où on fait évoluer les institutions par les révisions constitutionnelles. Et c'est un mécanisme qui est prévu dans tous les textes constitutionnels. Donc, l'argument de M. Mungala est purement et simplement, unique. Ça ne tient pas debout. Et là, vous avez mentionné la Constitution française. Bon, on peut dire aussi qu'elle a été frappée d'une grande instabilité jusqu'à la 4e République. Et donc, la 3e République a été la plus instable de toutes. Mais depuis 1958, avec De Gaulle, quand même, la Constitution s'est stabilisée et puis on a avancé. Alors, je veux poser cette question. Les images que vous donnez sont très belles. Le cœur, la Constitution, c'est le cœur qui irrigue tous les organes dans le corps, qui commande aussi même le cerveau également. On peut lier les deux. Alors, ces organes-là, en fait, puisque si donc les institutions politiques au Congo-Brazzaville sont frappées par cette instabilité, comme vous venez de le dire, mais je suis tenté de vous demander, professeur Bakoudapéli, mais qu'est-ce qui confère au régime actuel ce semblant de stabilité? C'est-à-dire que le régime dictatorial, il faut le dire, sans embâge, ce système-là, qu'est-ce que nous confère un peu cette forme de stabilité d'être comme indéboulonnable, alors que les organes sont pourris, si vous voulez? Le corps est en train de mourir puisque le cœur ne fonctionne pas bien, le cerveau ne fonctionne pas bien, les organes sont boiteux et curieusement, la vie est là. La vie du régime est là et est plus fort que jamais, entre guillemets. Vous voyez les images que je prends? Tout à fait. Eh bien, c'est pas compliqué. Ça veut dire que la fameuse stabilité, c'est une apparence, puisque c'est assis sur un homme, c'est assis sur une personne. Et nous savons également que l'assise principale, la principale légitimité du régime de Brazzaville depuis 1997 est essentiellement militaire. C'est pas compliqué. Donc, je ne vais pas chaque fois répéter à peu près ce que disait justement le président Obama. Ben oui, il faut des institutions fortes et non des efforts, mais ça résume également tout. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que, contrairement à ce que les gens disent, nous n'avons pas, des hommes forts, nous avons des hommes fragiles. C'est parce qu'ils sont fragiles que le système, nos régimes politiques fonctionnent sur la base de la volonté d'un individu.
Et ça signifie que quand l'individu disparaît, le système aussi disparaît. Donc, les systèmes dictatoriaux, ben, par principe, sont des systèmes précaires parce qu'ils ne peuvent pas survivre à leur hauteur. Et donc, de ce point de vue, ben, il faut bien se rendre à l'évidence. La stabilité dont on parle, c'est une apparence. Et que dans la réalité, le système est assis sur la personne et que justement, nous l'avions d'ailleurs déjà abordé par anticipation, dès que l'auteur, le dictateur disparaît, ben, il se noie avec, disons, il disparaît avec les institutions, c'est-à-dire et ses institutions et la conscience. Et vous pouvez être sûr, mais je pense que tous nos compatriotes l'ont compris, eh ben, dès que ça se s'en va, c'est pour ça que la question ne mérite même pas de... Dès que ça se s'en va, il s'en va avec ses textes, puisque c'est des textes qui sont liés à sa personne. Mais reconnaissez également que le régime n'est pas assis, le régime ne fonctionne pas sur les textes. Le régime fonctionne sur la base de la volonté du dictateur. Et nous le vérifions de temps en temps. Ben, je ne veux pas anticiper sur une question qui, disons, qui ne relève peut-être pas disons, notre ordre du jour. Nous voyons par exemple la question de la vente des terres congolaises. Vous savez bien que ses propres textes disent le contraire. Bon, donc, l'histoire constitutionnelle, l'histoire politique du Congo, principalement sous Sassou Nguesso, démontre qu'en réalité, le droit, la stabilité, c'est tout simplement de façade, et que la réalité est tout à fait contraire, puisqu'aujourd'hui, personne ne peut véritablement justifier un droit sur la base, effectivement, des textes fondamentaux, c'est-à-dire la loi fondamentale. Personne ne peut le justifier, puisqu'à tout moment, il peut décider de faire le contraire, et je ne cesse de répéter, il le fait à chaque occasion. Monsieur Sassou Nguesso ne loupe jamais une occasion de démontrer que ben, je ne suis pas lié par le texte. Ben, oui. L'article 96 de sa Constitution, qui est en contradiction à l'article 27 du statut de Rome. Tout le monde sait dans son propre texte, il est bien mentionné, c'est-à-dire dans sa Constitution de 2015, il est mentionné que les conventions internationales sont au-dessus, disons, de l'ordre juridique national. Mais, d'accord. Voilà, donc vous voyez. Okay. Je retiens que vous avez mentionné qu'évidemment, le système tel que nous le connaissons aujourd'hui disparaîtra avec son architecte. Mais apparemment, ce n'est pas de son cloche de son côté, puisqu'apparemment, il est en train de préparer une succession monarchique avec son fils, ça saute à l'œil nu, hein, à qui veut le voir ou ne pas le voir. Son fils a été bombardé ministre de la coopération et du partenariat public-privé et ainsi de suite. Ça montre clairement que pour M. Sassou Nguesso, son régime doit survivre à sa personne aussi. Il veut continuer à gouverner jusqu'à autre temps, mon cher Georges. C'est clair et net. Il se dit qu'il n'est pas question qu'effectivement, même s'il disparaît, que ben, effectivement, le pouvoir lui échappe. Ça montre quand même jusqu'où on est arrivé sur cette question du pouvoir. Mais soit dit entre nous, je ne veux pas entrer dans la sociologie politique de notre pays, mais je veux tout simplement dire ceci. Le système politique, le régime politique de M. Sassou Nguesso est assis non pas sur le droit, mais sur la force. Sur la force. C'est ça. Sa seule légitimité, c'est la guerre. J'ai répété, disons, dans effectivement l'interview que j'ai eue avec notre cher Christian, que en réalité, le Congo, c'est un empire qui ne dit pas son nom. Voilà. Mais je vais quand même signaler ceci. Mm-hmm. Pour en arriver à la situation où nous sommes, c'est-à-dire pratiquement, on va vers les 40 ans, 10 ans de vie politique de M. Sassou Nguesso. Il a fallu que M. Sassou Nguesso tue des dizaines de milliers de nos compatriotes. Mm-hmm. Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. C'est des dizaines de milliers de Congolais qui ont été tués. Quand parfois ben, certains disent « oui, mais qu'est-ce qui fait que ben, oui, les Congolais ont un peu du mal à réagir ?» Le traumatisme est bel et bien là. Mais le traumatisme également est limité dans le temps. Pourquoi je dis dans le temps ? Mais parce que les traumatisés de 97-2002, voyez, donc là, ça va faire 20 ans. Ce qui reste, c'est les traumatisés, disons, de 2015 là. C'est-à-dire d'octobre 2015, il est également tiré sur nos compatriotes. Il y a eu au moins une vingtaine de morts et des centaines de blessés. C'est traumatique. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faudra que, disons, le fiston de M. Sassou Nguesso soit capable de montrer qu'il peut également aller loin dans le crime comme son père pour effectivement, disons, pouvoir commander. C'est ça. Et ça, je ne suis pas sûr que le contexte s'y prête. Je ne suis pas sûr que le contexte s'y prête. Donc, je suis de ceux qui ne croient pas. Non, je ne doute pas de sa volonté de le faire.
Par contre, je doute réellement de sa capacité de survivre au pouvoir. Voilà ce que je peux dire pour ne pas aller dans les détails. Absolument. Mais donc, on retient, en résumé, vous venez de dire que pour que le fils de son père puisse évidemment s'enraciner au pouvoir, déjà accéder au pouvoir et s'y enraciner, il faut qu'il ait la capacité de faire même mieux que son père l'a fait, c'est-à-dire la capacité de tuer beaucoup plus de personnes que son père l'a fait, parce que les Congolais aujourd'hui sont effrayés par la personne elle-même. Certains l'appellent l'ogre de Mpila, et c'est avec raison, je pense. Donc le fils doit s'apprêter, n'est-ce pas, à faire mieux que son père dans le crime, comme vous venez de dire. Il faudra qu'il le fasse, sinon il ne pourra pas survivre. Voilà. Ok, mais alors, on va, pour finir avec ce point-là, je suis un peu curieux, mais pourquoi un jeune garçon comme son fils, le fils de son père, avec beaucoup d'argent qu'ils ont amassé, mais pourquoi un peu cette démarche forcenée autour du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas une personne qui peut se dire, mais écoute, on a souffert peut-être de législature de mon père, moi je suis encore jeune, j'ai plein d'argent, j'ai réalisé ce que j'ai réalisé, ce serait bien que je me mette à côté et puis jouir de ma vie tranquillement et laisser peut-être les Congolais qui nous tapent dessus et puis démontrer de quoi ils sont capables. Pourquoi cet attachement viscéral et parfois même morbide au pouvoir? Mon cher Jordan, c'est une question très pertinente que tu poses. Et je vais dire pourquoi. Parce que, bon, je vais dire dans nos domaines de formation, on aime toujours voir les choses dans les différents sens. Et on ne peut pas se borner effectivement à une facette. La meilleure façon effectivement d'être proche de la réalité, c'est d'envisager chaque chose et son contraire. Moi, j'ai souvent, face à cela, envisagé les deux hypothèses où je me dis, franchement, je venais de dire que les chances de survie, je ne dis pas, non pas les chances d'accès, puisque l'accès au pouvoir sous le régime de Sassou Nguesso, c'est-à-dire de son vivant, de son pouvoir, ça ne dépend pas du vote. Donc, l'accès est possible. Qu'il y pense également, je me dis, c'est possible. Mais je veux dire, la survie de son fiston au pouvoir, ça, j'en doute fortement, pour différentes raisons, y compris des raisons liées au propre milieu de M. Sassou Nguesso. Nous le savons tous. Bon, donc, parfois, moi, je me suis toujours dit, il ne serait pas mauvais d'envisager l'hypothèse inverse, c'est-à-dire celle qui consiste uniquement pour eux à divertir le monde, pour dire, on va faire ceci, effectivement, pour désorienter l'opinion. Mais la limite à cela, c'est quoi? Premièrement, c'est que la dictature... Le dictateur, c'est d'abord et avant tout l'égocentrisme. C'est-à-dire son monde, la vie politique se passe dans sa tête, pas dans la réalité. Et M. Sassou Nguesso nous l'a démontré à plusieurs reprises. J'ai l'habitude de parler du solipsisme. Vous avez suivi là, par exemple, quand ils disent « Oui, monsieur le général Moukoko est condamné pour, disons, pour des faits de droit commun. » En fait, le monde entier sait qu'il est condamné, disons, le motif est politique. Hein. Ce n'est pas, disons, ce n'est pas un prisonnier, disons, droit commun, c'est un prisonnier politique. Mais ils prétendent quand même le compter, y compris des juristes qui sont autour de lui. Donc, ça démontre quand même que chez eux, le degré de solipsisme est effectivement élevé. Il arrive que, ben, franchement, parfois on peut... Mais non, ils arrivent parfois à prendre ce qui se passe dans leur tête ou la réalité. Ça les caractérise. Bon, maintenant, sur la question réelle. Bon, vous dites, prenons le cas du Cameroun, puisque nous regardons toute l'Afrique francophone. Quand on parle du fils de Paul Biya, c'est pour dire que non, Paul Biya a plutôt orienté, disons, son fiston vers les affaires et non vers la politique. Pourquoi ce garçon qui s'est effectivement enrichi sur le dos des Congolais, massivement, n'irait pas jouir de son argent au lieu encore de vouloir effectivement, disons, rester dans une situation où l'incertitude plane? Il y a des raisons objectives à cela que tout le monde peut à peu près imaginer. Mais c'est parce qu'ils pensent qu'effectivement, ayant pillé le Congo, ils l'ont fait comme ils l'ont fait, bon, ils risquent de ne pas retrouver effectivement la quiétude, la sécurité, qu'ils seront poursuivis. La seule façon effectivement pour ne pas être poursuivis, la seule façon pour effectivement être en sécurité, c'est de conserver le pouvoir. Et là, il n'est pas le seul à le penser. Mais c'est toute la clique des milliardaires, disons, que M. Sassou Nguesso a créé de toutes pièces. Et c'est ça qui fait que, voilà, donc c'est un argument qui participe effectivement, disons, de l'incertitude pour ce jeune homme, disons, ambitieux,
disant, effectivement, disant de ne pas survivre au pouvoir. C'est-à-dire que s'il lui pense que la seule façon de pouvoir jouir de, disons, de mon pillage, c'est de rester au pouvoir pour être comme papa, protégé effectivement par les textes, mais les autres également pensent la même chose. C'est-à-dire l'état de milliardaires arrivés pensent la même chose. Et donc là, c'est un deuxième motif, effectivement, disons, d'incertitude pour la survie de celui-là. Donc là, je viens de répondre effectivement à la question. C'est uniquement parce qu'ils pensent que sans le pouvoir, ils ne peuvent pas être en sécurité. Dans tout ça, les acteurs de la vie politique, il y a aussi quand même l'opposition congolaise, qu'importe son contenu. Mais à côté de l'opposition congolaise, il y a une opposition qu'on dit aussi l'opposition radicale, qu'à cela ne tienne. Alors, voilà comment on massacre ces institutions-là. Alors, quelle est la place de cette opposition dans sa capacité à infléchir quand même l'orientation que le régime en place donne par rapport à ces institutions dont tout le monde voit très bien qu'on va dans le naufrage? Quelle est la place de l'opposition, qu'elle soit l'opposition choisie ou l'opposition radicale, ou même la résistance aussi? Cher Georges, il m'est arrivé de dire que notre système politique fonctionne vraiment sur un grand malentendu. Et on a quand même l'impression que la question du pouvoir dans notre pays, principalement, mais un peu partout en Afrique, est au-dessus de la question démocratique. Moi, j'ai toujours pensé que l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, M. Sassou Nguesso perdure au pouvoir, c'est aussi le fait que l'objectif du pouvoir, y compris du côté des opposants, a pris le dessus sur la question démocratique. Et c'est ça qui fait que, ben, finalement, il manque d'une stratégie globale. Je répondais derrière moi, disons, un compatriote qui me posait la question de savoir exactement ben, qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a répété la question trois fois. J'ai dit, mais les autres ont fait comment? Quand nous voyons, disons, le Sénégal, qu'est-ce qui a fait que, ben, disons, après 30 ans, disons, après 40 ans, pardon, de pouvoir disons, singorien, ben, finalement, ben, l'alternance se fait en 2000 avec Ouad. C'est quand même, après avoir fait plusieurs articles, on dit, ben, écoutez, faisons d'abord sauter le système et le reste, on verra plus tard en mettant quelqu'un qui dépend de nous. Monsieur Sassou Nguesso, nous ne le dirons jamais assez, se dit que mon pouvoir, je ne le tiens pas des Congolais. Je le répète toujours, mon pouvoir, je le tiens par la guerre, donc je n'ai pas de compte à rendre. C'est ça en réalité dans sa tête. Et l'opposition pour lui, c'est purement symbolique. Et curieusement, les Occidentaux ne cessent de le répéter, ne cessent de poser la question à M. Sassou Nguesso. L'écrasante majorité des opposants que nous avons au Congo ont été avec M. Sassou Nguesso à un moment ou à un autre. Voilà la faiblesse, effectivement, de notre, disons, de notre ambition d'assurer l'alternance dans ce pays. De notre, je veux dire, ambition, effectivement, de faire partie de M. Sassou Nguesso. L'écrasante majorité des opposants, comme on les appelle, ont été, à un moment ou à un autre, disons, des proches de M. Sassou Nguesso. Je donne le cas, disons, de M. Nzon. Vous voyez le cinéma qu'on a suivi, notamment à la suite, disons, la proclamation des résultats, disons, de M. Sassou Nguesso. M. Nzon a dit qu'il va contester, effectivement, les résultats. Et il fait du cinéma en oubliant, disons, toutes les conditions élémentaires de forme pour effectivement que, disons, la requête soit recevable. Mon cher Georges, c'est se moquer de ses compatriotes. Donc, je veux dire par là que, en réalité, quand il veut le dire, les opposants même disent que, moi j'ai entendu une fois M. Tsatimabiala dire, mais c'était avant même, disons, l'élection de 2016, il disait qu'on peut organiser 100 fois, les résultats seront toujours les mêmes. Eh bien, puisqu'ils le disent, puisqu'ils le savent, mais pourquoi ils se présentent? Et donc, Il ne s'est pas présenté la dernière fois, M. Bakunda Pelé. Il ne s'est pas présenté en 2021. Mais il s'était présenté en 2016. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, mais enfin, je vais dire, entre ils se concertent. Hein. Je vais dire, entre les opposants se concertent. Il sait pourquoi il ne s'est pas présenté, mais il sait qu'il y avait des candidats de l'opposition qui se présentaient. Bon, donc là, nous sommes quand même dans un cinéma, nous sommes quand même dans une mise en scène. Nous savons tous, cher Georges, et les compatriotes nous entendent, que
on ne peut pas renverser M. Sassou Nguesso par les urnes. C'est absolument impossible. Parce que toutes les élections, toutes les consultations qu'il organise, c'est des mises en scène. Et oui, je pense que c'est une question à laquelle, disons, effectivement, nous répondons la prochaine fois, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire. La question est de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'après tout, il a peut-être le monopole de la force, mais il n'a pas le monopole de l'intelligence. Et donc, mon cher, je dis ceci. La qualité d'une bonne élite aussi, c'est d'être capable, effectivement, de trouver les solutions aux problèmes qui se posent à eux. C'est M. César qui le dit. Qu'une génération passe à côté, effectivement, disons, de ces rendez-vous si elle n'est pas capable de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à eux. C'est notre défi. Je pense que ce n'est pas maintenant que je peux le développer, puisque j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, il faudra voir. Et je pense que là, il y a un certain nombre, effectivement, disons, d'arguments qu'il faut développer pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut finalement pour aider nos compatriotes à se sortir de cette situation. Voilà. Ben, écoutez, M. Bakoudapela, ça sera l'objet de notre prochaine émission. Nos téléspectateurs qui nous suivent depuis un certain moment vous voient sur le droit de savoir également. Il y aura donc, pour la prochaine fois, on va embrayer sur les possibles. Je suis tout à fait d'accord avec vous que M. Sassou Nguesso et son régime ne sont pas invincibles. Non. On va donc mener cette réflexion la prochaine fois. Et aussi, parmi les acteurs, on sait très bien que, ben, d'accord, il y a une adversité interne au Congo-Brazzaville, mais il y a aussi une adversité externe. Vous avez parlé de monsieur, le général Moukoko qui est en prison. Mais on sait très bien aussi qu'avant qu'il n'aille en prison, il y a eu des tractations. La France, par exemple, vous avez mentionné, on a mentionné la France, il y a deux émissaires français qui sont allés voir M. Moukoko pour lui demander de reconnaître la victoire du perdant. Exactement. Ça, c'est quand même des choses qu'il ne faudra pas laisser passer sous silence, qu'il faudra qu'on fasse sens un peu de cette influence extérieure sur la vie politique au Congo-Brazzaville. Donc, la prochaine fois, vous nous ferez le bonheur. Je tiens vivement à ce que cette question soit traitée. Mais voilà. Ça, ce n'est pas peut-être le monopole de la force, mais l'intelligence, je ne suis pas sûr qu'il soit au-dessus de nous. Et c'est là où, effectivement, nous devons travailler. Et nous devons, effectivement, esquisser des voies de sortie à cette situation parce que, effectivement, l'émission s'appelle également rétrospective et prospective. Et là, c'est important, effectivement. Voilà, nous ne devons pas seulement nous borner à constater. Nous devons esquisser des solutions et il nous faudra le dire. Il nous faudra le dire également. À l'extérieur, s'est constituée une diaspora forte qui n'est plus seulement une diaspora militante, je pense. Elle est devenue aussi une diaspora politique avec possibilité d'impacter la vie intérieure au Congo-Brazzaville. Donc, vous comprenez très bien que Monsieur Professeur Bakoudapela, dans une semaine, nous reviendrons donc là-dessus pour compléter cette analyse et entrevoir, n'est-ce pas, les perspectives et la prospective, n'est-ce pas, en matière politique au Congo-Brazzaville. Il nous reste à vous remercier sincèrement, professeur Bakoudapela, et à remercier aussi nos internautes qui nous suivent de plus en plus sur notre chaîne TLR TV, en espérant évidemment de les voir nombreux pour nos prochaines émissions. Alors, merci beaucoup, une fois de plus, professeur, d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Merci. Merci.